de remonter maintenant. Et les trois vont apparaître dans un moment devant nous, toujours avec l'équipage G2R Citroën, avec Venturini, une formation dans laquelle il y a bien entendu Benoît Cosnefroy, l'homme qui a été champion du monde, qui a gagné la Polynormande Paris-Comment Vercumelec, l'étoile de Bessèges, en délicatesse avec un genou propulsé, va-t-il aller chercher la victoire en bas. Savoir évidemment dans un court instant comment ça évolue dans le final de cette épreuve. Ah, le peloton explose littéralement, ça vole en éclat. Et voilà, dans un instant, l'arrivée sur l'épreuve avec 4 hommes légèrement en tête. Le peloton ne reviendra pas maintenant. Le Norvégien est resté au commandement. Et l'écart, on attend maintenant évidemment les informations complémentaires dans ce dernier kilomètre où tout à l'heure, Frédéric Bacard avait porté une belle accélération. On avait vu également, donc voilà, Venturini qui était porté en première ligne. Et voilà, le peloton qui est à une vingtaine de mètres des 4 hommes de tête qu'il y a eu tout à l'heure. L'attaque de Venturini, on a vu Benoît Cosnefroy. Le peloton est en train de revenir à la hauteur des hommes de tête pour aller chercher la victoire et la remontée avec le coureur de l'équipe Vicol qui est à la lutte. Oula, ça s'est joué entre Cosnefroy et également.